amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jean Rennes. Donc aujourd'hui on vous accueille dans l'est de la Réunion, plus exactement à Saint-Benoît, à la Marine. Donc un endroit très apprécié pour les photos de mariage, baptême, etc. Il y a aussi un sentier à faire. Alors c'est un sentier qui a été mis en place par la commune de même petit moment déjà, pour les sportifs, qui longe le littoral de Saint-Benoît, ce qui commence à l'entrée de Saint-Benoît, qui finit à la sortie de Saint-Benoît. Donc c'est un chemin assez agréable à faire. On va vous faire découvrir tout ça ensemble. Comme ça, si au moins vous venez à la marine ici pour pique-niquer, pour vous poser, pour respirer. Aujourd'hui, on est accompagné de Jade, de Angelina. Vous allez les voir juste après. Donc voilà, on a Jade ici. Angelina qui est en train de se balader en bas. Nous avons aussi Lorraine avec nous et le petit Bouchou Eden. Ça, et surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. On a croisé une jeune artiste qui jouait du violon. Du coup, on a l'autorisation de la filmer. Elle était accompagnée de sa maman. On va découvrir une jeune artiste que je vous mettrai à la fin de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut bien rester jusqu'à la fin. Et aussi, pour l'encourager, surtout, comme je dis d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, pardon, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Vraiment un endroit magnifique. Le petit pêcheur en bois de la mer comme ça, croyez-moi, c'est plaisir. Donc voilà, début de sentier les amis. Une petite histoire quoi. Là, ici, ce chemin, alors ce sentier là, c'était un ancien chemin de fer. Il y avait un train qui passait ici. Donc, c'est un endroit vraiment pour moi à visiter, hein, à passer du temps dessus pour aller visiter, faire le sentier. Parce que avoir... avoir un train à La Réunion, c'est vrai que c'était l'histoire incroyable de La Réunion d'avant. Là, on est tout en bas. Nous, on était tout à l'heure, je vais vous montrer, on était tout en haut là-bas, vous voyez. Et maintenant, on a descendu le sentier comme vous avez vu, et on est arrivé en bas, donc voilà ici. Les filles, vous pouvez ramasser la bouteille qui est là, mettre à la poubelle. Regarde, je suis pas tout seul, hein. Il y a Lorraine et le Bouchou qui est là. Bouchou, allez sur le côté. Voilà. Donc moi je vais vous ramener voir pourquoi l'érosion, parce que la mer prend sa place, hein, elle avance. Donc voilà, le sentier littoral est un peu cassé. Ils ont interdit l'accès, mais ils ont fait quand même un détournement par derrière pour accéder. Ce que je peux comprendre. Éviter de mettre les gens en danger. Voilà. Effectivement, je confirme. Hein. Ça a été bien, la mer est arrivée assez haut ici. Elle a déraciné même des arbres. Ouais, ouais. Le sentier du littoral a été détruit.
Donc voilà, alors là on est, au départ c'était une marche. Là je pense que ça devient un parcours sportif. Donc on va continuer un petit peu le sentier. On continue. Ouais, on va faire demi-tour bientôt. Bon, on va pas tarder à rentrer parce que voilà, bon, on arrive à côté des habitations. Bon, comme je vous dis, ce sentier part jusqu'à la sortie de Saint-Benoît. Là, on tombe près des habitations, on tourne, il y a des voitures, donc c'est plus agréable du tout pour moi, pour ma part. Hein. Dès que je vois qu'il y a des activités humaine trop prononcée pour des voitures en panne qui dorment là depuis un petit moment. Donc voilà quoi. Mais là c'est un sentier, c'est plus un sentier, c'est la route en fait qui va redonner sur le sentier juste après. Donc voilà, on s'arrête ici, on vous monte au loin, donc la route est bien là-bas. Il y a le parking, le sentier continue jusqu'à la sortie de Saint-Benoît. Moi pour ma part ce n'est plus intéressant à partir de ce niveau-là. On va retourner et on vous remonte des belles images qu'il y a et on vous dit à la prochaine vidéo, on fait le sens contraire. Nous allons nous diriger vers Brapanon. Oh, voilà, on est reparti. Je vous laisse admirer l'image de la mer en silence. Bonne visite. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Ici, avant, la commune de Saint-Benoît avait mis des lumières. Il y en a plein sur la route. Le mec qui est passé s'est dit, je vais l'arracher pour le mettre chez moi. Du coup, ça fait des années, la mairie n'en mettra pas d'autres parce que c'est nous qui payons ça sur nos impôts. Donc, il n'en mettra pas d'autres, cette rue ne sera pas éclairée. Donc, les amis, on est arrivé en haut. Je tenais à vous montrer ici. L'entrée est se fait ici. Hein. Vous dirigez vers Takamaka, vous allez voir la marine. D'accord? Donc il y a l'histoire, comme je disais tout à l'heure là-bas, sur le chemin de fer. Voilà. Donc le parking il est immense. Hein. Voici encore une belle image. Alors, la marine, ancien chemin de fer. Là, on est très croyant à la Réunion, petite Vierge Marie. Donc voilà, respectez, ne cassez pas s'il vous plaît. Et
ramassez vos déchets quand vous venez ici. À droite, il y a ça. Voilà, nous on est parti tout au fond là-bas dans le cercle. Vous voyez, dans le cercle là-bas, je mets mon doigt environ. On était environ jusque le... Non, on était jusque là parce que là, ici, c'était la fin. Donc voilà, ça c'est le parking. Voilà. Le sable noir. Regardez-moi ça. Alors, un petit zoom pour vous montrer. Un petit zoom. Donc voilà les amis, on se retrouve toujours à la marine. Donc on, comme vous pouvez voir, c'est un lieu familial, c'est un lieu de repos. Et on retrouve aussi des musiciennes donc, qui sont en train de faire des morceaux fabuleux dans un endroit magnifique. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça avec nous. Les amis, donc voilà, on fait ma musique à la marine de Saint-Benoît dans l'est de la Réunion. Vous voyez, il y a les promeneurs, il y a les gens qui viennent pique-niquer, il y a les musiciens. C'est un endroit vraiment pour se reposer, pour apprécier les petits moments perdus dans la journée. Et voilà, on va vous laisser sur cette belle note. Super, ben je te remercie. Donc je vais vous présenter quand même. Donc je vous présente mademoiselle Laure. Laure, voilà. Donc ça fait combien de temps que tu joues du violon environ? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc vous voyez, tout est possible. C'est un instrument très rare à La Réunion. On en voit très peu l'utiliser. Mais voilà, à son âge, elle joue déjà. Ça fait 4 ans d'expérience. Une très belle mélodie. Donc voilà, je vous remercie, mesdames. Passez une bonne journée.